Salut! Aujourd'hui les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va aujourd'hui parler d'un deck voleuse. La carte est sortie il y a pas longtemps, j'ai pu faire quelques tests et je suis tombé les gars sur un deck monstrueux, mais genre vraiment super fort. Pour tout vous dire, j'ai fait plein de tests pour tester plein de decks différents. Je faisais quoi, 5-6 victoires en moyenne, un super défi. Là, j'étais à 2-2, j'ai trouvé ce deck les gars. J'ai fait 12-2, instant, 10 victoires d'affilée, j'ai roulé sur des mecs monstrueux. Ça marche super bien, je vais vous montrer ça en vidéo, c'est parti. Ok les gars, on est parti directement en jeu et avant de commencer, j'ai un petit coffre 12 victoires en bonus à ouvrir avec vous. Et ce n'est pas tout, puisque ce coffre 12 victoires va me faire passer les 100 000 cartes gagnées en défi les gars. Donc voilà, c'est une étape importante, c'est cool, on le fait ensemble en vidéo avec un super deck voleuse qui vient de sortir. C'est la folie cette vidéo. Directement, je vous invite à mettre évidemment un petit pouce bleu comme d'habitude, vidéo exceptionnelle. Parce que là franchement, les gars, franchement, je sais pas quoi faire de plus pour que vous puissiez mettre un pouce bleu sur la vidéo. Franchement là je... Dites-moi dans les commentaires si vous mettez pas de pouce bleu parce que là je sais pas. Bref, ceci n'est pas la question, on part directement dans l'opening du coffre, 12 victoires, 22 000 gold et évidemment, qu'est-ce qu'on a? Il nous faudrait une légendaire là, ça serait cool, petite voleuse. Une petite voleuse, ça serait nickel. Ok, 4 TDE, 5 Hog Rider, on a ensuite un clone. Pour l'instant, pas se mentir, ça pue la merde. On continue avec 85 Spear Goblins, on s'en fout, 15 Bomb Tower, on s'en fout toujours autant. Là c'est vraiment la merde parce qu'on a toutes les cartes en petite quantité. Donc ça pue. Là il nous faut là d'un coup toutes les cartes. Là vas-y donne-nous, voilà, donne-nous de l'Ice Golem. Mais en masse. On en a pas assez. 204 gangs de gobelins. Voilà, ça fait plaisir. On continue avec 3 tornades. Il nous manque des épiques. Je crois qu'il nous manque des rares. Je crois que c'est mort pour la légendaire les gars. 39 Fireball, on a ensuite 5 Dark Prince. Et là la question c'est est-ce qu'on a eu assez de communes? Il y a 1100 cartes, il me semble pas. Il me semble qu'on va avoir encore des communes. Voilà, 687 barbares qui sont revendus. Ça fait mal les gars, ça fait très très mal. Déçu, pas de légendaire. C'est dommage. Bon, ça fait toujours des cartes, hein. On est toujours content. 22 000 gold, on est toujours content. Et du coup on a passé les 100 000 cartes, magnifique les gars, 100 000 cartes gagnées en défi, ça fait plaisir encore une fois, c'est génial, c'est magnifique, mais maintenant il est temps, trêve de plaisanterie, pas de temps niaisé, il est temps de passer à la présentation du deck, vous voyez, carte préférée le PK, on va voir ça tout de suite. Du coup, le deck le voici, c'est un deck du coup voleuse, la voleuse est bien là, hein, je vous l'avais dit, alors, explication du deck. En gros c'est un archétype qu'on voit pas mal en ce moment avec du PK cimetière poison. C'est un archétype qu'on retrouve de plus en plus parce que ça contre très bien le golem. Golem qui est extrêmement en vogue en ce moment. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le deck golem. J'avais dit que le deck allait percer. Il a plutôt bien percé. Ça a plutôt bien marché. Bon bref, du coup, cet archétype là le contre très bien. Et donc c'est pour ça que c'est de plus en plus joué. Évidemment il y a une bûche parce que c'est indispensable en ce moment. Du coup ces cartes là on le retrouve souvent. Ce qui a changé c'est du coup le fait qu'on mette la voleuse en plus. Et du coup les 3 cartes qui sont là sont faits pour aller avec la voleuse et ça marche évidemment très bien. Le principe du deck, je pense que vous l'avez compris, le PK il est plutôt défensif. C'est surtout pour aller gérer les gros tanks genre golem ou géant. Derrière, quand vous avez un tank de type PK, éventuellement bandit mais pas trop souvent, vous mettez la graveyard et si vous savez qu'il va vous contrer avec genre des gargouilles ou des archers, vous mettez un petit poison supplémentaire. C'est très cool. Vous grattez au fur et à mesure de la partie avec la fournaise qui fait aussi des dommages de zone, notamment contre les gargouilles. Donc ça c'est génial. Vous avez l'électro-sorcier qui vient supporter le PK et qui vient aussi aller gérer les TDE. Même si les TDE, vous pouvez mettre un cimetière un petit peu plus devant la tour pour aller emmerder la TDE avec les squelettes. C'est parfaitement possible et c'est ce que je fais en général. Bref, ajouté à cela, vous avez le gang de gobelins. Gang de gobelins qui est bien dans ce deck, qui s'adapte bien. Pourquoi? Parce que dans ce deck, il nous manque un petit peu d'aérien, enfin un petit peu d'unité qui tape les airs. Donc, on a les Spear Goblins dans l'armée dans le gang de gobelins. Et puis, il nous faut aussi un petit peu de distraction hein, pour par exemple des troupes genre chevaliers ou ce genre de choses. Et du coup, on a les gobelins du gang de gobelins. Donc, c'est parfait en fait. C'est parfait, la carte va très très bien dans ce deck. Et derrière on a la dernière carte du coup, le bandit. Le bandit en fait il vient un petit peu en multifonction. C'est à dire qu'en gros ça fait une carte qui peut défendre, qui peut tanker.
Qui peut aussi servir en soutien du P.K. donc ça c'est top, et qui peut ajouter en combo avec une tombstone, avec une un cimetière pardon, peut faire très très mal parce que c'est super galère à gérer un bandit qui arrive sur votre tour. Alors s'il a des squelettes c'est un peu plus facile à gérer, mais s'il a pas des squelettes ça devient rapidement galère, surtout quand il y a un cimetière poison sur votre tour. Donc bref, le bandit en fait multi-usage, il y a plusieurs synergies dans le deck avec et c'est pour ça que ça a bien sa place. En plus il y a le gang de gobelins qui prend parfaitement sa place aussi, donc c'est pour ça que j'ai trouvé ce deck hyper hyper intéressant à vous montrer. Et du coup, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de partir dans un seul replay, parce que voilà, j'ai affronté des super bons mecs dans mon super défi, et du coup je voudrais vous montrer un replay, parce que je trouve ça intéressant. Vous avez bien kiffé la dernière fois quand j'avais mis un replay, et ensuite évidemment on partira dans des battles en live. Petite précision aussi les gars, si vous n'avez pas toutes les cartes, vous pouvez faire 2-3 remplacements. Par exemple, vous pouvez mettre un zap à la place de la bûche, ça sera forcément moins bon, mais vous aurez au moins quelque chose pour aller gérer les petites troupes pour que votre P.K. passe. Vous pouvez éventuellement mettre un truc genre des archers ou une mousquetaire à la place de l'électro-sorcier pour le support du P.K. Le problème c'est que si vous avez la bûche mais pas le zap et que vous enlevez l'électro-sorcier, vous avez plus de zap. Donc bon, contre les TDE ça peut être un petit peu plus compliqué. Et si vraiment vous voulez jouer le deck et vous n'avez pas la graveyard, vous pouvez éventuellement mettre un mineur, mais vous pouvez pas mettre autre chose. Parce que tout simplement... Vous devez gratter des dommages en fait avec ce deck, et c'est avec soit la graveyard, soit avec le mineur que vous devez faire ça. Donc vous pouvez pas vraiment mettre autre chose comme carte que ces deux cartes. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aide. Les gars, pour vous donner une idée du genre de mec que j'ai affronté à la fin de mon super défi, et cette personne là c'est la personne que vous allez voir dans le replay qui va juste suivre. Voilà, 318 monde actuellement, il était 250 tout à l'heure, il a un record à 5200 trophées, 266 000 cartes gagnées en défi, et 7000 en tournoi. Le mec n'est pas une brêle, hein, qu'on s'entende bien, il joue très bien, vous allez voir ça, c'est parti. Ok les gars, on est parti du coup dans la battle contre Rush KD, qui nous vient de Corée et qui nous joue un Lockbait. Lockbait d'ailleurs que j'ai présenté sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. Bref, là n'est pas la question. Il nous met une petite sorcière, princesse pardon, j'ai toujours du mal avec cette carte. Une sorcière au pont, du coup je défends avec un Electro Wizard parce que je n'ai rien d'autre en main. Je décide de mettre ici une voleuse parce qu'encore une fois j'ai pas grand chose dans ma main pour aller gérer ces offensives. Je mets ici un gang de gobelins en défense du baril. Et là vous voyez vraiment qu'au début ça s'est très très mal mis pour moi, hein. J'avais vraiment pas les cartes qu'il me fallait dans la main. Résultat, j'ai pris quasiment 1000 dommages sur ma tour dès les premiers push. Et là je suis obligé de défendre le chevalier avec un P.K. Donc vraiment... le début compliqué. En plus, vous voyez qu'il a la TDE en main. Donc évidemment, regardez ce que j'ai en main. Moi, je vais pas du tout aller pouvoir gérer la TDE. Donc en gros, il va mettre une TDE. Mon P.K. va se faire des pop et sa TDE va toujours être là. Autant vous dire que vraiment, j'ai pas eu le bol sur le début. Ici, il envoie le baril. J'ai enfin la bûche pour aller gérer le baril. Donc là-dessus, je me suis bien recyclé. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, il va nous mettre... Il va nous mettre une petite princesse sur la droite que je vais aller gérer avec la voleuse qui va pouvoir traverser la rivière. Et ça c'est cool, ça c'est vraiment vraiment cool pour aller gérer notamment une princesse parce que ça coûte 3 pour 3. Donc au final c'est parfait. En plus derrière faut aller la gérer parce que sinon ça fonce sur la tour, c'est la galère totale. Bref, ici je défends le chevalier avec le gang de gobelins qui va contre-attaquer des deux côtés. Parce que j'ai pas eu encore trop de dommages donc je peux encore me permettre de partir du côté que je veux. P.K. dans le fond du terrain, je relance une offensive parce qu'il m'a laissé un petit peu respirer. Je vais mettre sûrement, en fait je m'apprête à mettre la fournaise au cas où ils mettent des unités de distraction de type des gobelins ou je sais plus exactement ce qu'il a. Il a le bas, il a le gang, donc au cas où ils mettent le gang, il le met pas. Et du coup je mets un cimetière devant la tour pour justement regarder distraire la TDE. Et derrière le P.K. je mets l'électro-sorcier qui va pouvoir aller gérer éventuellement la TDE si besoin. Mais il n'y a pas eu besoin en l'occurrence. Et regardez le nombre de dommages que j'ai fait sur la tour. Ici c'est magnifique, avec en plus la bûche qui vient gérer le gang de gobelins. Et finalement je reprends l'avantage en point de vie. Et lui regardez, il ne sait pas quoi faire avec ses cartes. Il a vraiment vraiment du mal à s'organiser face à moi. Ici je vais repartir avec un P.K. dans le fond du terrain. Il a compris qu'il allait difficilement m'avoir sur ma tour parce que j'ai assez de... enfin j'ai de quoi défendre tout simplement. La fournaise l'embête énormément aussi, donc il essaye de me finir la roquette. Du coup, moi en attendant je lance un push. Je sais que derrière il va pas pouvoir m'avoir avec l'électro-sorcier. Et là je vais bourrer, je remets un cimetière devant. Le poison qui va partir pour tout gérer. Je savais qu'il allait défendre avec le gang, donc le gang est des pop avec le poison en plus de ça. Je balance le gang derrière, il va pas tout avoir. Il va être obligé d'essayer de mettre des gobelins
mais ça va pas trop marcher. J'ai deux gobelins sur la tour qui en fait le taf et qui sont arrivés à détruire la tour. Lui derrière, il va avoir la roquette, mais je sais très bien qu'il ne pourra pas passer. Et finalement, c'est une victoire. Voilà, tout simplement. Vous voyez donc le deck en action contre un Zabait, le mec contre un Logbait. Le mec n'a rien pu faire. Le mec n'a rien pu faire. Il m'a bien mis bas au début parce que j'avais pas les bonnes cartes. Une fois que j'étais cyclé, ça s'enchaîne. J'ai 1 milliard de combos, 1 milliard de synergies. Je peux parfaitement m'adapter et c'est absolument génial. Maintenant, il est temps de passer dans des battles en live. C'est parti. A few moments later. Ce deck monstrueux, monstrueux, vraiment. Vous voyez là, j'outplay. Les mecs ne peuvent rien faire. Je parle, je peux vous raconter ma vie, ce que j'ai fait hier, etc. Mais on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de se concentrer pour l'instant. Bon, après, quand vous êtes contre des mecs meilleurs, comme je vous ai montré dans le premier replay, là, évidemment, faut se concentrer. Mais ce que je veux dire, c'est que le deck est vraiment, vraiment très puissant. En fait, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a énormément de synergie, il y a énormément de possibilités avec ce deck. Et du coup, vous pouvez vous adapter à tous les decks. Vous pouvez faire des combos de ouf. Et c'est génial. J'adore le jouer. J'adore le jouer. J'approuve. Ici, bandit, ok, c'est nickel, fonce, c'est bon. Golem, ok, là, graveyard direct, graveyard, mais alors direct, 100 fois. Et normalement, là, je prends la tour, je prends la tour, et oui, agressivité, graveyard, je prends la tour, pas de problème, PK pour défendre du golem, c'est fini, non mais, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? J'ai même pas besoin de mettre... Oh! Ah oui, et si, il peut faire ça. Non, mais ça va, on a le poison. En vrai. En vrai, on a le poison. Donc c'est bon. Par contre, golem 3 mousquetaires, c'est violent quand même. Hein. Le mec est énervé, hein. Il a pas le temps. Est-ce qu'on grille et on part pour le 3 couronnes? Non, quand même pas. On va respecter notre adversaire. Quoique, il va... Qu'est-ce qu'il va faire? J'en sais rien. Écoutez, on va partir sur le 2 couronnes. Et selon le côté... duquel il va partir avec son golem, on partira du même côté avec le PK et en contre-attaque. C'est un petit peu l'idée contre les decks golem en général. Ok, bourreau. Bourreau, très très bien, bourreau. On s'amuse avec le bourreau. Alors, bandit ici. Ok, du coup, le bandit va normalement aller gérer le bourreau. C'est parfait. Il nous met un golem, c'est très bien. On va mettre la grévière juste ici. On va mettre éventuellement... Ok, c'était pas très utile ça comme bûche, je dois admettre. Mais bon, c'est pas très très grave. On va économiser notre élixir pour... J'étais un peu optimiste là, j'avoue, sur ce push. Mais bon, on va totalement dépop le golem. Donc ça, c'est cool. On a toujours le poison qu'on prépare, évidemment, pour les 3 mousquetaires. Pour l'instant, il a pas eu de dommage. Je tiens à préciser quand même qu'il n'a eu aucun dommage sur notre tour. Encore un golem. C'est parfait, c'est pas grave. On va faire ça comme ceci. On peut défendre avec un poison. Éventuellement, de toute manière, même si nous met les 3 mousquetaires, on a pas mal de trucs pour aller les gérer hors poison. On peut même mettre un cimetière, je pense. J'ai jamais essayé, j'avoue, j'admets. Mais j'ai jamais essayé, mais ça peut totalement le faire. De toute façon, on peut défendre avec un PK. Donc il n'y a pas de problème. Et puis voilà. C'était, ça va. Écoutez, bonne petite game. On va mettre un petit bandit agressif. Il va pas trop faire. Enfin, si tu vas faire le taf. Ah, électro-sorcier, GG. Beau jeu. La fournaise ici, putain, quand t'as déjà gagné, ça semble long, hein, la partie. ça semble très très long. Well played. Bon, là, j'avoue, le premier play a tout fait. Le premier play, vraiment, le mec a mis le golem. Pff, on a foncé, pas de problème. On a cette capacité-là aussi de foncer. Et en plus, on a la capacité de défendre avec le PK. Magnifique. On enchaîne, les gars, avec un match. Alors, on est à 4 victoires. On est contre Toby de Nova UK3. Ok, alors... Pas de PK dans le fond du terrain encore une fois. Waouh. Je sais pas quoi lui répondre. Hop là. Electro Wizard ici. On s'installe tranquille. On aime avoir la fournaise dès le début. Voilà. Le cochon. On s'y attendait. De toute façon, dès que tu vois. Par contre, Ice Wizard, s'il te plaît. Electro, pardon. Voilà. C'est très bien. Vise le cochon, s'il te plaît. Encore une fois. Ok, c'est bon. Pas de coup sur la tour. C'est parfait. C'est parfait. Ici, je vais être obligé de défendre avec un petit gang de gobelins parce que sinon on va prendre beaucoup trop cher sur la tour. Ça contre-attaque derrière, donc c'est parfait. Le petit zap, ok. Et là, du coup, je vais mettre le PK. Voilà, en me disant qu'il va pouvoir rush avec le cochon. On s'en doutait, c'est pas très grave. Par contre, je veux juste pas que. Oh, c'est bon, il est pas. Ok, là, je pense qu'on va prendre cher. La voleuse qui tape pas énormément non plus. Hein, donc, contre un cochon par exemple, c'est pas ouf en défense. Et là, je suppose qu'il doit avoir une TDE, un canon. Ok, on va mettre un poison de... Oh!
Yes, la voleuse qui a fait le taf. Oh là là. Ah, c'est dommage qu'elle ait pas chargé sur l'Electro Wizard. Mais c'était beau, c'était magnifique. Par contre, s'il... Oh yes, ça peut crever. Ah, par contre... Merde, oh, il a pas eu de coup. C'était à rien. Un point de vie, un coup. Ah, c'est dommage. On a pas mal joué là, on l'a mis un petit peu mal. Vous imaginez quand même en double élixir quand même ce qu'on lui aurait mis. On lui aurait mis très très cher parce qu'il aurait pas pu tout défendre. Donc je suis plutôt confiant. Sachant que là, du coup, je vais attendre le double élixir. Du coup, je vais défendre le cochon avec le PK sans aucune sorte de race quelconque. Ok, d'accord. Le mec est vénère quand même. Hein. Le mec est un petit peu trop vénère. Bon, finalement, je go avec un push PK. Au pire, j'ai ça, voilà, pour faire ça. Nickel, il le supporte pas, donc au pire, on prend un coup, mais ce n'est pas très grave. En plus, il a mis un zap, donc c'est encore moins grave parce qu'il a dépensé énormément d'élixir. Et là, du coup, j'y vais avec le fameux push. C'est parti, ça coûte pas cher, le poison en complément. Et puis là, voilà, là c'est ce que je veux dire, regardez, ça fonce sur... Oh non, ok, c'est bon, les squelettes qui sont des pop, c'est magnifique. Ça va sur la tour, il peut rien faire, la tour qui tombe, magnifique. On a bien repris l'avantage ici, du coup on va mettre une petite fournaise ici. Oh, par contre il est en train de galérer avec le PK, mais ça c'est cool parce qu'en fait il dépense énormément d'élixir pour gérer notre PK. Et nous derrière, on peut rebanquer l'élixir, on peut retourner avec un petit cimetière comme ceci. Il nous rebalance ça comme ça, c'est pas très grave, petit poison qui part ici. Je all-in là en fait, parce que voilà, il va défendre, ça va pas être suffisant, on va prendre la tour. C'est sûr, on prend la tour. C'est parfait, good game. Et puis voilà, il a beau rusher, on va attendre voilà, que ça passe. Le petit gang de gobelins, il va pas passer évidemment. Et good game, well played. De toute façon, même s'il nous avait pris la tour, regardez sa tour du roi, comment elle était mal. On aurait pu foncer sur toi couronne, il avait pas assez pour défendre. Les pushes, je vous ai dit les gars, les pushes sont monstrueux. C'est vrai que avant de double élixir, on est obligé de choisir ce qu'on fait. Donc c'est un petit peu là où on teste ce qui peut défendre. Et puis après, une fois qu'on a compris contre quoi il galérait, pouh, tu balances tout et puis ça passe. Magnifique. Ok, on continue les gars. On est contre Polo Raze. Je vais commencer par une fournaise parce que c'est le meilleur truc, je trouve, pour s'installer. Derrière, c'est cool parce qu'on n'a pas trop de sorts. J'aime pas avoir trop de sorts au début des games. Tout simplement parce que c'est ultra relou quand le gars vous balance genre un cochon. Pour défendre de ça avec que des sorts, bah vas-y, bonne chance. C'est vraiment chiant. Du coup, ok, ça fait comme ça. Très très bien. Je vais laisser... Ok. Ça se passe pas comme prévu. Ça se passe absolument pas comme prévu. Si, s'il vous plaît, gère la princesse. Ok, c'est bon, ça gère la princesse. Il a du mal avec la graveyard. C'est parfait. Non, je vais pas balancer le poison. Ok, bon. On a bien remonté là, on a fait une belle petite contre-attaque. La princesse, elle va de ce côté-là. Du coup, on met la petite bûche ici et on retourne avec une petite fournaise sur la droite pour refaire chier parce que c'est super chiant d'avoir une fournaise qui gratte ta tour et tu peux rien faire. Donc voilà, donc c'est nickel. On n'oublie pas évidemment la petite voleuse qui peut aller faire le taf contre la princesse. Absolument excellent. Ok, donc il met une pompe sur la droite, on va être agressif. J'aurais pu éventuellement... Enfin, non, ça aurait été greedy de partir sur la droite, donc c'est bien que je parte à gauche. Ok, barbare d'élite, très très bien, bonjour mon ami. Le petit gang de gobelins qui va faire le taf, malheureusement j'ai misplay et il y en a un qui est allé sur la tour, c'est pas grave. Electro-sorcier qui va faire le taf, il va être obligé de... Ouais non, il va peut-être pas le défendre. Alors avec quoi est-ce qu'il va défendre le PK? Je vais le laisser crever, qui est peut-être pas en fait, je vais mettre juste le poison, parce que quitte à tuer ça avec un poison, autant que ça fasse le taf. Et oui, ça met un coup, oui monsieur, c'est ça qu'on veut voir, c'est absolument ça qu'on veut voir. Du coup, on est super bien dans cette game encore une fois les gars, pas de problème, il remet une pompe, j'ai envie, je teste hein, les gars, hein. Je connais pas plus sa carte que vous, enfin, ok ça fonce, ah bien joué, oui, ah merde, je voulais la mettre sur la gauche mais il y avait le pont, ah ce boulet, ouais par contre du coup là j'ai fait le malin, moi j'ai voulu tester un truc les gars, ça va, laissez-moi faire mes expériences en vidéo. Petit bandit ici que j'ai placé sans faire exprès un petit poil trop loin. Ok, ça va faire le taf, c'est nickel, ça fonce sur la tour, c'est encore plus nickel. Ça, on fait ça comme ça, la petite fournaise qui part ici, la bûche qui part là pour aller tout gérer. Et puis voilà, il ne passera pas, il ne passera absolument pas. Et pourtant j'ai pris des risques les gars, j'ai tenté des trucs en vidéo. Ah merde. Ça passe.
Ça passe. Mais oui. Eh, il a rien fait. Il a rien fait, les gars. Monstrueux. Petit élytre sorcier ici, il pouvait pas passer de toute manière. Good game, well played. La défense, les gars, de fer. La défense de fer, il pouvait rien faire. Et pourtant, vous avez vraiment vu, j'ai tenté des trucs. Imaginez ce deck jouer absolument parfaitement avec une super connaissance de tous les combos, de toutes les synergies. C'est juste magnifique, les gars, c'est monstrueux. Voilà les gars, c'en est tout pour les replays, j'espère que vous avez kiffé, je vous remonte le deck rapidement pour que vous le voyez un petit peu si vous voulez le jouer, voilà vous avez plus qu'à regarder les cartes un petit peu ce qu'il y a dedans, en tout cas j'espère que vous avez kiffé les gameplays, j'espère que vous avez kiffé la vidéo en général avec l'opening et tout ça, le passage des 100k cartes gagnées en défi, bref, j'espère que vous avez kiffé, voilà tout simplement, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.